Comment est née la station? La station est née. On voyait tous les jours cette belle côte qui ne servait absolument à rien. Puis on se réunit souvent, tous les maires, les conseils municipaux. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors c'est de cette idée-là qu'est partie l'idée du téléski, l'idée des syndicats de communes, enfin une entente entre tous les conseils municipaux pour arriver à faire quelque chose, en collectif. Okay. À l'origine, il y avait 4 communes. Et maintenant, vous avez 9 communes, Fran. Avant, vous aviez Bonnevaux, Mignovillard, Bouvran, La Rivière. Nous sommes la seule commune du Jura. Et depuis cette année, vous avez Fran, Bulle, Bougeaille, Courvière et Dompierre qui nous aide pour un pourcentage de... Si bien qu'on espère réaliser quelque chose de bien pour un prix qui sera minime pour chaque commune. Les possibilités hôtelières, à Bonnevaux, vous avez 2 hôtels qui sont susceptibles de s'agrandir. Vous avez Fran qui est tout près avec 4 ou 5 restaurants et hôtels. Et vous avez également une possibilité de logement chez l'habitant, je crois. Une possibilité de logement chez l'habitant, oui. Le téléski dessert 2 pistes, une rouge homologuée par la FFS et qui mesure 1300 mètres et d'un dénivelé de 230 mètres. Une bleue de 2 km 400, toujours d'un dénivelé de 230 mètres. Cette piste bleue est accessible aux skieurs débutants, la piste rouge étant réservée à des skieurs plus confirmés. Je crois que la remontée mécanique est l'une des plus longues du Jura. Oui, elle est une des plus longues du Jura. Elle fait 1 km du départ au sommet. Qu'est-ce que vous possédez comme matériel? Un dameur de piste qui nous permet, dès les premières neiges, de faire une sous-couche très résistante qui fait un très bon fond et qui permet de conserver une neige très longtemps au printemps. D'où viennent les skieurs qui viennent skier à Bonnevaux? Une grande partie est régionale. Les villages du secteur de Fran, une bonne partie de Pontarlier et aussi du Jura sur Salins, les villages du Jura, Nozerois, Mignovillard, Champagnol, Dole. La station est l'une des plus proches de Paris. Nous sommes desservis par voie de chemin de fer, par la gare de Fran, qui est à 4 heures de Paris, ce qui est très important. Et de Fran à Bonnevaux, il y a des services de car réguliers tous les jours qui apporteront les skieurs depuis Fran. Pouvez-vous situer Bonnevaux par rapport au reste de la région? Vous voyez, Bonnevaux se trouve à cheval sur les départements du Jura et du Doubs. Nous sommes à 25 km de Levier, à 20 km de Pontarlier, 25 km de Champagnol, 66 km de Besançon. Et à partir de maintenant, le téléski fonctionne tous les jours? Il fonctionne tous les jours sauf le mardi. Pour les projets d'avenir, la commune de Bonnevaux a envisagé un lotissement. Il est prévu 15 habitations, une partiellement habitation principale et habitation secondaire. Il est prévu aussi à l'avenir d'agrandir le champ de course du téléski de Bonnevaux, c'est-à-dire peut-être pour l'avenir, d'ici quelques années, de prévoir un deuxième remont de pente et l'aménagement de nouvelles pistes qui sont très nombreuses.